nous ne pouvons pas quitter le Niger, et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. D'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger, la de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. En tout cas, nous devons absolument rester ici, parce que sinon, c'est la dégringolade complète, et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris, qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que, écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf, parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on s'accorde d'histoire, parce que Moscou, eux, ne s'en rendent pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Vous avez entendu, c'est déplorable, j'ai pas de mots. Je voulais vous partager ça. Donc, tout est dit dans cette vidéo.